La particularité du pop-up, évidemment, c'est le volume, c'est-à-dire le point de rencontre de différentes préoccupations que j'ai en tant qu'artiste, peintre, sculpteur, également la question de la diffusion. Donc le pop-up est pour moi vraiment l'endroit où je peux combiner toutes ces préoccupations de la façon la plus harmonieuse. Donc c'est vraiment comme ça que je l'aborde, c'est pas la question du truc qui s'ouvre, c'est vraiment une question sculpturale. Comment faire surgir une sculpture, comment la replier, cette question du pli, du redéploiement. Voilà. Donc c'est à ce niveau-là. Ensuite, par rapport au livre, le pop-up est aussi une façon d'envisager différemment le rapport du lecteur au livre. C'est-à-dire on va avoir des pop-up qui s'ouvrent à plat, la surface horizontale représente le sol avec quelque chose qui est posé dessus. On va avoir des, bon c'est le cas par exemple des neuf jouets, on va avoir des pop-up qui se déploient en L, c'est le cas des maisons, où on a la page du livre qui devient un fond, un espace théâtral et là une surface plane. Et puis on va avoir des pop-up qui se déploient comme un livre. Donc cette question du comment le lecteur va tenir cet objet livre est quelque chose qu'on peut travailler particulièrement dans le pop-up. Alors effectivement, nous travaillons complètement ensemble, puisque à l'origine, c'est Dominique qui m'a entraînée dans l'histoire du livre de façon générale. Et pour ce projet en particulier, l'idée nous tournait dans la tête depuis longtemps de bâtir un livre sur l'idée de la trace, le cheminement d'un personnage et d'une trace qui serait laissée dans la neige. Et puis on a tourné cette idée pendant longtemps sans réussir à lui donner un sens. Et puis un jour, il y a cette image de l'écureuil qui a surgi, de l'écureuil qui fait ses provisions pour l'hiver. Et à partir de là, tout s'est enchaîné de façon complètement naturelle, immédiate. Et on a trouvé le sens de cette toute petite histoire immédiatement. La noisette, c'est vraiment l'idée de faire un pop-up minimaliste en utilisant le minimum de découpe et de colle. À partir de ce moment-là, l'origami, si on le considère, je dirais, dans sa version la plus pure, qui consiste à partir d'un carré, on ne va pas le découper, contrairement au kirigami où on peut couper, simplement à le plier, l'assembler, effectivement, la noisette a à voir avec l'origami dans cette idée de la simplicité maximum. Au niveau du pli, non. Parce que ça reste du pop-up simplifié. Mais l'idée, c'était d'utiliser un seul morceau de papier, les découper, les plier. Donc on est plus proche de ce que les Japonais appellent le kirigami, c'est-à-dire une feuille de papier coupée et juste pliée. Pour nous, quand je dis nous, c'est Anne-Florence et moi, puisqu'on conçoit les livres ensemble, il ne faudrait pas que le pop-up soit juste une vanité de la chose qui se déploie. C'est-à-dire quand on me dit « ouais, ça se dresse, ça se déploie », bon, c'est amusant, mais ça ne va pas plus loin. La question, c'est est-ce qu'on peut raconter quelque chose de spécifique par le biais de ce système, du volume, de la chose qui se déploie? Est-ce que c'est une façon différente, qu'on ne pourrait pas réduire à un autre moyen d'expression? Si on peut faire un livre plat, autant faire un livre plat. Si on peut faire une peinture, autant faire une peinture. Si on peut faire une sculpture, autant faire une sculpture. L'idée, par exemple, dans la noisette, spécifiquement, c'était de raconter quelque chose exclusivement par ce biais. Donc là, oui, le pop-up amène quelque chose. Sinon, il y a tous les ouvrages, je dirais, plus patrimoniaux, documentaires, comme les chaises, les jouets, les maisons, où l'idée, c'est d'amener un plus par le volume, par rapport à la compréhension d'un objet, une architecture, une chaise, éventuellement un jouet. Au niveau de la fiction, oui, certainement, mais nous recherchons aussi d'autres façons d'inventer un petit peu le livre ou de le réinventer à travers d'autres biais. Mais oui, il y a une idée en ce moment qui nous trotte dans la tête d'un petit personnage, d'un personnage féminin qui vivrait également une quête. Alors si on prend un héros de la littérature jeunesse classique, ça serait Alice, parce qu'elle nous entraîne dans un imaginaire très riche.
et pour des aventures fabuleuses donc, et inépuisables. Pour un illustrateur, c'est un univers rêvé, même s'il est largement traité. Donc ça se réalise.